Hey, bonsoir. Je vais baisser un poil la musique. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous l'entendez encore. Peu importe. Hop. Le téléphone. Histoire que je mette le YouTube. Alors. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien pintouillé, que vous avez bien avancé sur le bonhomme que nous avons peint ensemble. Voilà, il y a eu quelques photos assez sympathiques, n'est-ce pas, partagées sur le Discord, donc ça fait bien plaisir. Et du coup, en attendant, vu que j'étais un peu dans la précipitation et qu'on m'a demandé de peindre une figurine toute nue, eh bien voilà une figurine toute nue, elle n'a pas de vêtements. C'est un alien. Alors j'adore les films aliens, les quatre premiers, il n'y a rien eu d'autre après. Et c'est Alexandre Valet qui m'a offert ces figurines-là qui viennent d'un jeu de société Alien versus Predator. J'avais demandé une figurine d'alien, il m'en a envoyé trois plus un Predator, c'est très gentil. Salut, salut. Donc je l'ai sous-couché en noir. Alors elle est assez petite, hein. Vous voyez, si je mets mon doigt à côté, c'est pas très grand. Mais elles sont fort sympathiques. Alors là, c'est la pose dans le premier film, là, quand il est dans les conduits de l'aération, là, puis qu'il tombe sur le capitaine, il le déglingue, il prend cette pose-là. Ça fait un peu genre bouh! Mais j'aime bien cette pose du coup. Voilà, donc on va ensemble voir comment qu'on peint du noir, parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, simplement parce qu'on a tendance à pas vouloir éclaircir le noir, parce qu'on veut le laisser tout noir. Et donc on va voir comment on fait du noir sans noir. Salut Thierry, salut Catherine, ah Mathieu, ouais ça faisait... I'm back, ça c'est Terminator ça. Où est Sigourney? Eh ben, il l'a mangé finalement. Il l'a mangé, tu vois, il va baver un petit peu, voilà, il a disparu. Donc c'est parti. Alors, première chose qu'on va faire avant d'attaquer la figurine, c'est de choisir sous quel angle on va attaquer notre lumière. Maintenant, je fais ça de plus en plus. En gros, on va pas peindre toute la figurine, on va choisir vraiment des angles iconiques. Donc on essaie de regarder un petit peu c'est quoi les angles les plus sympas. Et un des angles les plus sympas, je trouve, c'est celui-là, ma foi, on peut varier un petit peu. Celui-là, j'aime pas trop, parce que ça fait vraiment un peu con. Ça, par contre, j'aime bien. Là, on a vraiment le côté, vous voyez, avec la petite tentacule queue derrière, là, les mains qui partent en l'air en même temps. Donc comme ça, hein, puisque je la prends d'assez basse. Je trouve la pose assez sympa, donc je vais prendre un peu cet angle-là pour ma lumière principale. Et puis je compléterai de l'autre côté avec une lumière secondaire, peut-être du bleu, parce que j'ai vu pas mal de bleu en background sur les aliens, donc on va partir là-dessus. J'espère que vous êtes tout prêts, parce que là c'est parti, plus rien ne peut m'arrêter, je suis lancé. Donc pour peindre du noir, nous allons avoir besoin de noir. Et c'est tout. Non, je rigole évidemment, je vais prendre d'autres trucs. Alors. On peut varier avec plein de teintes de gris différentes. Alors moi j'ai une petite affection en ce moment pour des teintes un peu désaturées comme ça. C'est un espèce de gris bleuté, j'aime bien, c'est sympa, ça ajoute un petit peu de piment. Après, voilà, j'ai celui-là qui est un petit peu bleuté aussi. Sinon j'ai des gris, là, celui-là est un petit peu marron, c'est sympa. Donc j'aime bien ces couleurs hein, très désaturées. Pour peindre des noirs, c'est assez sympa. Il en faut un petit peu de tout, des marrons, des machins. Ça vous évite d'avoir à faire plein de mélanges. Et puis de vous perdre un peu. Donc on va commencer avec ça. Je vais prendre ces couleurs-là pour travailler. Parce qu'en ce moment je les aime bien, puis je les ai à portée de main, donc ça m'arrange. Salut Stéphane! Donc je vais mettre un petit peu. Oh, désolé, c'est le bordel dans ma palette, c'est parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de travail et j'avais pas envie de la changer tout de suite. Parce que j'ai pas mal de. D'ailleurs on voit bien la palette. Bon, ça a l'air. Donc c'est toute la zone de droite ici. Vous prenez pas en compte le reste, hein, c'est tout pourri. Ça sert à rien. C'est du caca. Voilà, je vais mettre un petit peu mes couleurs dès le départ. En fait, pour le noir, tu as tes gris-gris, tout à fait.
Tout à fait. Alors après, rien ne vous empêche, pour les bourses les plus modestes, de partir sur des gris neutres et puis d'ajouter un petit peu de couleur à chaque fois. Simplement, si vous faites ça, vous notez bien votre petite recette sur le côté, histoire de ne pas avoir à vous recasser la tête sur « Ah mince, c'était quoi déjà le... comment dirais-je, la couleur que j'ai utilisée, etc. » Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais commencer donc par mon premier gris foncé et je vais attaquer selon l'angle que je vous ai dit là. Donc je choisis celui-là et c'est parti. Donc je vais poser mes lumières assez rapido. Donc je vais être assez généreux, n'est-ce pas? Je vais attaquer les plus gros volumes. Vous voyez, je pose vraiment des grosses marques de peinture. Donc ce qui pose difficulté souvent, c'est que dès qu'on pose un peu de couleur sur le noir, on se dit, un peu de lumière, on va dire, on se dit waouh, c'est clair, c'est plus noir. Mais c'est parce que bah, forcément votre référentiel est extrêmement sombre. Donc dès que vous posez la moindre lumière, ça paraît un peu clair. Non mais les gris là, tu les as sortis de la boîte Nocturna Monster Flash. Tout à fait. Tout à fait, je suis en train de m'en servir là pour une commande, donc du coup, j'ai même pas sorti de la boîte, il l'était déjà, pour être tout à fait honnête. Donc ouais, on a un petit peu peur de mettre de la lumière, mais bah, il faut pas hésiter. Et le petit tips pour vous aider à poser de la lumière sur le noir, c'est de vous dire la chose suivante, c'est toujours beaucoup plus facile de venir redescendre de la lumière que de devoir remonter toute la lumière de la figurine. Parce qu'un simple lavis peut suffire pour redescendre, alors que quand vous voulez remonter la lumière, il faut reprendre tout le dégradé. Donc vous voyez, j'essaie de choper un petit peu toutes les surfaces qui sont face à mon truc. Et puis, bah, je viens les colorer avec mon gris sombre là. Salut Nicolas. Donc je peux être très très large et très généreux sur la première couche, simplement parce que bah, c'est très sombre en fait. C'est peut-être plus clair que notre noir, mais ça reste extrêmement sombre. Alors par contre, je vais mettre un petit peu plus de lumière. C'est parti. Alors en observant en détail, j'ai regardé des petites images par-ci par-là de xénomorphes là sur internet. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'éléments qui semblaient mécaniques sur la bestiole. Ça m'était complètement sorti de la tête. Il y a des tuyaux notamment près de sa tête. Ce qui est assez étonnant quand même, puisque c'est censé être une créature biologique. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'essaie de pas trop bouger la figurine, hein. Vous voyez, je garde bien mon angle, bien en vue, histoire de ne pas me tromper de trop sur bah, où est la lumière sur mon personnage, ne pas me foirer. Donc la petite poignée aide pas mal pour ça, parce que bah, du coup elle vous permet de maintenir la figurine toujours selon le même angle. On peut la tourner, mais on se souviendra de effectivement que cet angle-là, c'est celui qu'on a choisi, puisqu'il est positionné par rapport à l'angle de notre poignet. D'où les célèbres paroles, éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. Ah non, je sais pas la. Je suis trop jeune pour ça, je pense. Je suis trop jeune pour ces conneries. Alors j'oublie pas d'aller chercher les zones les plus lointaines, donc la petite jambe derrière là, donc désolé je sors un petit peu de l'angle de caméra, mais je vais vite y revenir. Voilà dans le fond sa petite patoune.
Axel Bauer, tout à fait. J'écoute ça tous les jours. C'est mon groupe préféré. Bonsoir, bonsoir. Je ne savais pas que les allées étaient interdites aux moins de 18 ans. YouTube m'a demandé de confirmer mon âge, mais tout va bien, j'ai 49 ans, je vais pouvoir regarder. Ah, bah, c'est pas spécialement par rapport à Alien, je mets toujours les vidéos en moins de 18. Parce que vu que parfois le chat se lâche un peu et moi aussi, eh bien ça me permet d'être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. Je dégage de toute responsabilité. Si vos enfants regardent, c'est de votre faute, c'est pas de la mienne. Et puis, puisqu'en ce moment, il y a de plus en plus de censure et tout sur YouTube, Twitch et tout. Donc, du coup, bah, j'essaie de faire attention. Voilà, donc, une fois que j'ai fait ça, là, je vais mélanger un petit peu mon noir et mon gris sombre. Et je vais venir, alors avec très 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 peu de peinture, je vais venir, vous voyez la grosse limite sur son crâne, là. Et bah, je vais venir, là, l'estomper un petit peu. Même beaucoup. C'est les propos de Gérion qui ont besoin d'être censurés. Tout à fait. J'ai une voix orgasmique qui nécessite d'être préparée physiquement à entendre. Si vous l'êtes pas, c'est un peu comme Barry White, vous savez. Moi, quand je parle, il se passe des choses. Voilà. La plupart du temps, il peint des femmes nues. La légende dit qu'il peint tout nu. Donc je viens en fait entre toutes les zones noires et mes trucs gris. Bon, ça se voit pas des masses hein, parce que c'est vraiment extrêmement sombre. Je vais également rajouter un petit peu de lumière à certaines zones qui se voient pas trop parce qu'elles sont masquées par d'autres. Donc en fait, quand vous voulez lisser tout ça, l'objectif c'est d'avoir vraiment très 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 peu de peinture, histoire que bah, ça soit transparent quand vous appliquez votre petite couche. Et du coup, bah, ça va vous faire par transparence votre fameux intermédiaire hein, qu'on cherche souvent. Voilà. Pas de souci, le petit est chez sa mère. Magnifique! Ah, c'est donc ça, je me demandais pourquoi je devais changer de calfouette après chaque live. Eh bah ouais. Maintenant, tu as la réponse. On m'a pas posé la question, mais je réponds quand même. Donc ensuite, on va passer à la deuxième étape de lumière. Parce que là, il est quand même très 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 sombre, notre bonhomme. Donc je prends mon gris encore plus clair et je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, je vais centrer encore plus au niveau déjà des lumières que j'avais posées. Donc c'est toujours le moment où quand on n'a pas l'habitude de peindre du noir, on se dit, oulala, là là, mais c'est vraiment trop clair. Et on arrête tout. Mais il faut pas. Il faut se faire violence, comme on dit. Il faut y aller. Il faut, voilà, faut sortir les bollocks et poser son noir, c'est important. Alors. Tu le fais en une soirée l'alien parce que bon, le noir ça prend 5 minutes à faire. Ah la mauvaise langue. Quand tu veux le faire bien, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Bon, sinon, peignant le même bonhomme, faut faire une photo de groupe et poster sur Facebook. Bah ouais, moi j'attends que tout le monde ait terminé. Et puis bah, une fois que tout le monde a terminé, moi je fais déjà un album pour nous. Histoire que voilà, on puisse un petit peu voir ce qu'il en est, et puis faire un petit débriefing, on va se faire une petite vidéo là-dessus. Et puis bah, sur Facebook, je posterai si vous avez envie, hein, parce qu'il y en a peut-être qui préfèrent garder ça pour eux.
Mais si vous avez envie, vous pouvez. On pourra partager ça sur la page Facebook. Moi, ça me ferait plaisir de montrer un peu votre taf aussi. C'est quand même un bon souvenir. Photos, ce qu'on envoie nos photos sur Discord et le boss fait le montage. Tout à fait. D'accord, on va dire pour 10 minutes. Ah, bah voilà. Là, on est bien. 10 minutes. Pourquoi je m'emmerde? La prochaine fois, je la sous-couche en blanc, j'utilise du contraste noir et puis hop, terminé. Puis après, moi, je vais jouer à World of Warcraft. Bande d'ingrats. Je vous déteste tous. Donc évidemment, plus vous arrivez sur des petites lumières, plus il va falloir être fin. Ça, je le dis surtout pour Christophe, parce que je sais qu'il aime la finesse. C'est son plaisir. Faut tout ce qu'on envoie nos photos, ça je l'ai lu. Moi je finis le mien ce soir. Ah bah magnifique. Magnifique. Faudrait déjà que je fasse un appel, histoire de voir qui manque, qui est prêt, etc. Donc si vous pouvez déjà un petit peu. Ouais non bah attendez, je vais créer un channel, je pense, pour ça, ça sera plus simple. Parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué de tout répertorier. Donc je pense que je vais créer un channel, ce sera beaucoup plus simple. Désolé boss, j'ai toujours pas réussi un MM rouge, du coup je l'ai transformé en cuir. Ah ouais bah c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident, surtout uniquement via commentaires interposés, discussion Messenger, c'est pas facile. Le fait d'être sous la lampe ne te trompe pas pour le rendu global, en particulier avec le noir. Bah ça pourrait. Après, je pense que, alors, comme j'ai l'habitude, tu sais, de travailler toujours avec la même lampe et toujours avec les mêmes peintures, c'est pas trop de l'expérimentation. C'est plus là des choses dont j'ai un peu l'habitude. Après, de toute façon, il y a toujours un check qui se fait à la fin, c'est que quand j'ai terminé de peindre, j'éteins la lumière. Mais je vais toujours regarder la figurine sans la lumière. C'est une habitude que j'ai pris. Donc on voit pas grand-chose, mais on voit si effectivement il n'y a pas vraiment de gros problèmes, s'il n'y a pas un truc qui cloche quelque part sur notre bonhomme. Mais avec l'habitude, ça marche bien. Par contre, c'est une très bonne question parce qu'effectivement. Un des tips qu'on m'avait donné il y a longtemps, c'était Julien Raymond à la Bonne Pindouille, c'était de changer la lumière de la figurine. Donc par exemple, la mettre sous la table, la cacher de l'ombre, faire de l'ombre dessus, etc. pour voir si ça marche. Parce que des fois, sous la lumière, bah, vu qu'on a une très bonne lumière, on se dit waouh, c'est nickel, c'est propre et tout. Et puis bah, dès qu'on sort de la lumière, dès qu'on va dans l'ombre, bah poum, il n'y a plus rien, la figurine est hyper sombre et ça marche pas super. Donc effectivement, c'est une bonne question parce que bah, si vous n'avez pas beaucoup l'expérience, c'est bien de sortir votre figue de temps à autre, histoire de voir si tout va bien, quoi. Donc là j'y vais un peu comme un bourrin. J'ai un pinceau tout pourri d'ailleurs, je l'ai déjà complètement explosé. Il était très bien, mais je sais pas, je l'ai malmené et du coup, il est beaucoup moins bien. Un deuxième projet pour peignons le même bonhomme. Bah pour l'instant, ça se questionne savoir quelle figurine sur le channel général. Donc, si vous voulez participer à la discussion, bah, n'hésitez pas, hein, c'est sur Discord. Donc là, ça a tendance à aller sur des bustes de femmes, apparemment. Alors, moi je suis partant pour un deuxième projet, mais il faut juste que je répare le bac d'impression de mon imprimante, mais j'ai de quoi.
Ah bah écoute, c'est cool, hein. De toute façon, vu que c'est bénévole, il n'y a pas de pression surtout, hein. Tu appliques aussi des points de lumière sur des zones spécifiques, aussi pour la queue, non? Tu ne traites pas chaque articulation de la même façon. C'est exactement ça. En fait, si tu regardes la queue, tu vois, ça fait plein de petites pales, on va dire, plein de petits plats comme ça, les uns à la suite des autres. Et donc, en fait, les plats qui sont dans l'angle, qui font vraiment face à la lumière, sont, je les peins carrément entièrement avec la couleur claire. Et puis, moins ils font face à la lumière, tu vois, je leur ai carrément rien mis dessus, ils n'existent pas. Ce qui permet de créer naturellement ce côté, bah, plus t'avances là, c'est de la lumière, et puis derrière aussi, hein, parce que la lumière, elle revient de l'autre côté. Et puis là, bon, l'inclinaison, elle fait qu'ils prennent naturellement moins la lumière. Donc effectivement, tu es censé différencier le traitement selon l'orientation. Donc dans les faits, c'est très simple, c'est quand tu arrives ici, c'est vraiment complètement très clair. Puis plus tu arrives dans le fond, plus tu fais les arêtes, voire plus du tout à la fin, quoi. Un peu comme pour les maillons d'une chaîne en métal. C'est un peu le même principe. Donc là, je vais faire mon petit médium, là, histoire de commencer à lisser un petit peu son crâne. Donc vous voyez, quand je corrige ça, je n'applique pas sur tout l'ensemble du crâne. Je prends mon intermédiaire. Et entre les deux couches, je vais venir poser un petit peu de truc en transparence. Alors je suis obligé un peu de la retourner hein, parce que son bras me gêne un petit peu. Mais vous avez vu pour un côté, donc. Mais de rien, n'hésite pas, hein. N'hésitez pas pour les explications surtout, hein. Je le dis à chaque fois, peut-être qu'il y en a qui se disent oh, je vais pas poser ma question ou je sais pas quoi, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses, hein. C'est comme pour les élèves, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Donc je vais entrer dans le détail pour certaines petites choses là, notamment sur sa jambe. C'est vraiment très 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 fin comme figurine, très petit. Je suis assez étonné d'ailleurs pour des figues de jeux de société. Je trouve que la truc elle est assez détaillée quand même. Alors c'est pas un rendu incroyable, mais franchement ça se défend quoi. D'ailleurs Alexandre Vallée a fait un super diorama avec ses figues d'alien. Je vous conseillerais d'aller le voir parce que il est vraiment super super beau quoi. Donc là, je commence à le tourner un petit peu, forcément pour cette idée de transition hein, que je vous ai dit. Faut que quand ça tourne, on ait bien cette sensation que la lumière s'éclipse. C'est super important. Donc là, par exemple, vous voyez sa jambe là, elle est un petit peu un poil trop claire parce que j'ai tapé un peu dans les ombres. C'est beaucoup plus facile pour moi de prendre du noir et puis de venir. De la façon dont je suis en train de le faire, de redescendre la lumière quoi. C'est beaucoup beaucoup plus facile que de me dire je vais devoir recommencer et bah, reprendre tout mon dégradé si jamais j'ai pas assez de lumière parce qu'il suffit pas de poser du plus clair, il faut que les transitions soient correctes et du coup bon bah c'est un peu plus chiant quoi. Mon bonhomme sera fini pour début janvier, j'espère pouvoir peindre pendant les congés, moins mal au poignet, du positif. Ouais, bah ok, je te remercie en tout cas Catherine. Et bah surtout, bon rétablissement. Après, prends ton temps, il n'y a vraiment pas d'impératif. Je veux dire, on n'est pas pressé du tout.
Ceux qui l'ont terminé, bah ils l'ont terminé, tant mieux, peine autre chose, en attendant, et puis ceux qui n'ont pas fini, qui prennent leur temps tranquille. Le but, c'est que tout le monde ait fini, quoi qu'il arrive. Bon, alors le mieux, ça serait que ce soit fini avant le mois de juillet 2021, ça serait pas mal, mais pas de pression. J'ai dû rater l'info au début, c'est une figue de quel jeu? Du jeu Alien versus Predator. Donc c'est un jeu semi-wargame, semi-plateau, de ce que j'ai compris. J'avais failli craquer à l'époque, hein, mais j'ai résisté. Parce que je suis vaillant. C'est terrible, mon pinceau se barre complètement cacahuète, mais bon, c'est pas grave. Ça fait le taf quand même. J'affectionne pas mal les petits pinceaux dernièrement, je trouve ça cool. Ça me change, d'habitude j'ai toujours des énormes pinceaux avec des réservoirs de 5 mètres de long. Là, ça change un peu. C'est pas mal. Ça met un peu de piment dans mon quotidien. Est-ce que le jeu est aussi pourri que le film? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas testé. Mais c'est possible qu'ils aient fait une review sur le site de Hobbyshop. Parce que je sais qu'ils en font pas mal sur les jeux. Après, j'espère que tu parles des films, les derniers, là, Parce que les quatre premiers, c'est parmi dans mon top des meilleurs films de tous les temps quand même. C'est des films de ouf. Donc vous voyez, il a toujours l'air noir, hein, notre alien, malgré le fait qu'on rajoute des lumières et des lumières. Bon, on n'a pas fini, hein, il y a encore d'autres lumières qu'on va rajouter, mais. Super expérience, peindre le bonhomme ensemble. De nouveau, un grand merci pour les impressions des figues. Eh bah ouais, franchement, merci beaucoup à Christophe et à Chucky. Chucky, je sais pas, je crois pas l'avoir vu dans le chat. Mais en tout cas, un grand merci à vous deux parce que c'était vraiment super cool. La figurine est cool. Ça a été fait de main de maître. Et vous avez fait plaisir à beaucoup de gens. Donc, merci beaucoup. Je parle de la série. Ah oui, non, bah là, oui, effectivement, non, c'est des films pourris, pardon. Pour te dire, c'est tellement nul que ça me sort de la tête à chaque fois, je me souviens pas du truc, quoi. Salut Shango. Ah, par contre, moins un point Shango, hein, pour l'orthographe de Jirio. Là, c'est terrible, hein, ce que tu me fais là. Ça me fait mal dans mon Kokoro Senpai quand tu l'écris comme ça. Alors je prends pas mal mon temps parce que j'essaie de pas trop bouger la figurine. Histoire que vous voyez comment ça avance. Que ce soit pas trop perturbant. Donc, du coup, j'essaie de la bouger le moins de fois possible. Quand je la bouge, je ne vais plus trop bouger après. Etc. etc. Alors, donc en bas ici, j'ai quasiment rien fait puisque c'est
assez inaccessible. Je m'excuse, je ferai 5, je vous salue Marion avant d'aller au lit. Eh ben c'est parfait. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. De rien, ça m'a fait plaisir d'imprimer pour la communauté. Pas de souci pour remettre ça pour une prochaine figue. Eh ben c'est très très gentil. Donc là maintenant on va passer sur un éclaircissement encore plus clair. Donc on va utiliser ça, le Pale Flesh, parce que c'est dans le même kit, et vu qu'on est très fainé, on n'a pas envie de prendre autre chose, et puis ça fera très bien le travail. La vie est bien faite, c'est magnifique, tout s'emboîte parfaitement. Et donc bah, je vais reprendre toutes mes dernières lumières. Alors je vais pas par contre faire vraiment des éclats extrêmement forts. Je vais me garder des trucs plus brillants pour la zone de la tête principalement. Où là je vais forcer un peu plus que le reste. Déjà parce que son crâne en fait, le crâne des aliens est plus brillant que le reste de la bestiole. Donc il faut bien le marquer d'une manière ou d'une autre. Et il est plus brillant parce qu'il est censé être légèrement transparent avec certaines versions, certains tafs que j'ai vus où tu vois carrément l'intérieur du crâne de la bestiole avec des membranes et tout. C'est hyper stylé. J'étais tombé notamment sur une page Facebook japonaise où les mecs, ils s'éclataient à refaire des aliens à des grandes échelles. Je sais pas, ça devait être peut-être du 1 cinquième ou 1 dixième peut-être, je sais plus. Et ils faisaient un taf monstrueux avec vraiment des membranes transparentes, des effets de liquide et tout sur la bestiole qui était vraiment incroyable. Et il y en avait plein. Il y avait une grosse communauté. Et impossible de remettre la main dessus quoi. J'ai cherché partout sur internet, j'ai tapé plein de trucs dans les moteurs de recherche et tout. J'ai jamais retrouvé cette page. Notamment parce que c'est en japonais, donc forcément c'est un peu plus technique, je pense. Dommage. Ouais, donc je limite pas mal mes zones de travail. Je m'étends beaucoup moins. Forcément parce que bon bah si je fais des gros pâtés, ça va pas être très joli. Et c'est ces petits derniers traits, ces petits machins qui vont donner le détail de la figurine. Ces mini petites touches par-ci par-là, ces tout petits points, ces toutes petites lignes qui vont vraiment vous permettre de créer le détail. Vous voyez, par exemple, sur la jambe, il y a ce côté un peu filandreux. C'est parce que j'ai tracé des toutes petites lignes très fines avec mon pinceau. Donc je me sers vraiment des dernières lumières pour créer le détail. Pas avant. Parce que si vous le faites avant, ça va faire très très graphique cartoon. Parce qu'en gros, vous allez presque avoir votre figurine en noir et en blanc. Donc l'idée, c'est pas forcément de faire ça, c'est plutôt plus vous avancez dans la figurine, plus vous allez préciser les choses. Au début, vous êtes très grossier, et puis plus vous avancez, plus vous êtes précis. C'est ce qui crée aussi souvent ce décalage entre, vous savez, des gens qui font des peintures, on a l'impression tout de suite que c'est incroyable, puis la vôtre, elle paraît tout de suite beaucoup plus basique.
Ben c'est sur ces petites dernières touches-là, comme ça, que ça se joue beaucoup. Alors, il n'y a pas que ça, hein, évidemment, mais c'est une des raisons. Parce que ben, là, ça crée le détail, ça crée vraiment ce côté texture et tout. Et c'est à ce moment-là qu'on le fait, quoi. En général. Après, ça dépend évidemment des textures et tout. Mais notamment sur les visages, on avait vu ça d'ailleurs en cours avec Christophe. Il s'en souviendra peut-être justement que bah, comment on donnait les expressions de visage avec des micro-touches, des micro-détails, etc. Ça joue vraiment à très très peu de choses. C'est ces toutes petites lumières qui vont permettre de voir que le personnage il a un petit sourire ou qu'il a un léger froncement de sourcils, etc. Bah, c'est grâce à des toutes petites touches, des tout petits points minuscules, mais placés de façon judicieuse et très marqués. Ça va permettre de voir effectivement, de donner une expression, une petite histoire, on va dire, au regard, au visage. Donc c'est l'avantage des toutes petites figues comme celle-là, c'est que ça vous entraîne aussi à faire ce genre de travail, de précision. Donc je vais continuer sur ma petite bébête, je vais faire les petits trucs. Donc en gros là pour faire des tout petits points comme ça, j'effleure vraiment, je me sers de la sculpture. C'est-à-dire j'approche le pinceau, j'effleure un petit peu, quand c'est pas suffisant j'appuie un tout petit peu plus, histoire que ça englobe un petit peu plus de la figurine. Mais c'est pas moi qui les trace là, hein, c'est juste de l'effleurement de pinceau. Salut Julien! Oh, j'ai mon ventre qui essaie de communiquer avec moi. Tu comptes nuancer un petit peu derrière? Bah, je vais voir parce qu'en gros, si tu veux, je voudrais faire une lumière secondaire de ce côté-là, un peu bleutée. Donc selon comment ça rend, on verra bien. Et puis, ça va dépendre aussi de l'avancée de peignons le même bonhomme. Parce que bon, bah, si on avance rapidement et qu'on passe à la figurine suivante, je vais pas y passer beaucoup d'épisodes. Par contre, si je peux y passer du temps, bah, j'y passerai du temps. Donc on verra bien. Salut Nicolas! Donc comme d'habitude, c'est au fur et à mesure, on verra. J'avoue, je suis tout le temps, enfin quasiment tout le temps là-dedans. On verra comment ça rend. Un petit peu de salive. Alors d'ailleurs, j'ai vu une version de. Alors la plupart des versions de Alien, c'est vraiment du noir et blanc sur le costume. Il y a quasiment aucune couleur. Par contre, j'ai vu quelques artworks où c'était un peu marron. Ouais. Un peu différent, donc on va bien voir. Mais il n'y a pas beaucoup de nuances sur les artworks. Maintenant, bon, on s'en fout un peu, on fait ce qu'on veut. Hein. Elle est toute nue, mais oui, c'est pour ça que j'ai mis plus de 18 ans. Parce que bon, après, on va me dire contenu à caractère sexuel, c'est bon quoi.
Alors j'attaque un petit peu ce bras-là parce que je l'ai un peu laissé à l'abandon. Vu qu'il est un petit peu derrière, j'ai pas trop poussé dessus. Pensais que tu la finirais même dès ce soir. Je sais pas, peut-être ça dépend. Après, ça dépend de tes objectifs. C'est-à-dire, si tu veux vraiment faire ça de ouf, ben, ça demande du temps. Si tu veux faire ça correct, ça peut aller vite. Donc, ça dépend. Je vais renommer ma chaîne. Ça dépend. Studio, je pense. Parce que je me rends compte que je dis beaucoup, ça dépend. Sauf des moments, ça dépend. Parce que là, c'est pareil, tu vois, t'as la membrane de tête. Bon, je le ferai pas là en streaming parce que ça va être trop galère. Mais tu pourrais essayer de dessiner un petit peu la texture de ce qu'il y a en dessous, tu vois, par transparence et tout. Faire un petit dessin de ce qui est censé y avoir en dessous. Ensuite rajouter avec du blanc de la lumière pour créer ce côté reflet de membrane et tout. Là je le ferai pas parce que c'est tellement fin petit que ça va être très très difficile pour moi de faire ça en filmant sous le bon angle et tout, donc c'est pas trop gérable. Puis je suis pas hyper fan de vous montrer des freehand et tout en vidéo parce que grosso modo c'est apprendre à dessiner et c'est pas trop mon domaine d'expertise quoi. Je donne pas trop de cours de dessin, tout ça, c'est pas trop moi. Je pense qu'il y a des gens qui sont bien mieux qualifiés que moi. Je me demande si c'est possible de rendre le noir brillant comme dans les films avec un effet NMM. Bah, c'est l'objectif, c'est ce que je suis en train de faire petit à petit. Bon bah ma foi c'est pas trop mal hein. Pas trop mal. Donc il va manquer de bosser la transition là. Vous voyez sur ce bras-là, on voit que je ne l'ai pas fait. Peut-être un poil sur le dessus, mais ça à la limite on verra quand on aura posé le bleu sur l'autre côté. Mais bon bah ça avance pas mal. Ça commence à prendre forme, comme je dis toujours. Alors d'ailleurs, j'ai pas joué au jeu vidéo là, Alien Isolation. Ça me dit rien, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'adore Alien, mais ça me motive pas plus que ça. Par contre, j'avais joué au jeu vidéo Dead Space, le 1 et le 2. J'ai tellement adoré ces jeux, ils sont trop trop bien. J'avais vraiment passé un bon moment. Alors là j'ai un petit peu de blanc. Non, il est tout pourri, il est tout sec. Je vais sortir mon blanc qui n'est pas blanc. Des gens bien mieux qualifiés que toi, enfin ça dépend. Bah, en dessin, il y a plein de gens qui dessinent infiniment mieux que moi. Hein. En dessin, moi je suis une coquille. Hein. Il y a Richard Gray qui a posté sur son Patreon un œil sur l'épaule d'Abaddon dans le même style que les yeux sur les ailes de Mortarion. Il est illustrateur à la base, d'où les freehands à gogo. Ah, d'accord, je ne savais pas qui était illustrateur. Ah, c'est bien sympa, hein, il se donne vraiment de fou sur ces trucs. Moi, j'admire même la patience du Gus parce qu'il doit, il doit passer un temps fou sur ses pièces. Et j'avoue que c'est pas trop mon truc, moi.
J'aime bien quand ça avance très très vite. Des trucs simples et efficaces, comme on dit. J'aime beaucoup le résultat qu'il obtient en général. Puis il a un style de peinture très dark que j'aime beaucoup. Je trouve ça très cool. Bah, je l'ai pas vu moi son Arcaon, j'irai voir ça avec, avec grand plaisir. Donc vous voyez, j'ai posé mon petit blanc, puis alors tout autour, je viens avec mon intermédiaire pour gommer ce côté trait qui est entre les deux. Je suis abonné, je peux partager le lien de la vidéo non répertoriée sur YouTube. Ça restera entre nous. Je suis abonné, je peux partager le lien de la vidéo non répertoriée sur YouTube. Ça restera entre nous. J'ai pas compris, Nicolas. Donc là, je viens vraiment avec des toutes petites quantités de peinture parce que l'objectif, c'est juste de rendre tout ça un peu plus lisse, un peu plus propre. Voilà, on a ce côté un peu plus brillant hein, de la tête, forcément, hein, plus qu'on est sur du plus clair. Je vais le faire aussi au niveau un petit peu des dents là et du truc, histoire de simuler un petit peu de bave quoi. Je suis abonné au Patreon de Richard Gray et les vidéos sur les Patreons sont des liens vers des vidéos non répertoriées, mais tu peux quand même partager le lien. Ah, c'est bien cool. Bah après, ouais, n'hésite pas, si tu as l'autorisation de le faire, évidemment. Hein, après, moi je. Je ne connais pas son. Je suis pas abonné à des Patreons de manière générale. Ce qui pourrait être une bonne chose, mais j'avoue que je prends pas le temps de le faire. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'en ai pas, parce que vu que je suis pas client, c'est pas trop mon truc, donc. On verra plus tard. Peut-être un jour. Non, l'océan. Bon, puis pour avoir un Patreon qui tourne, je pense qu'il faut être quand même assez connu. Ce qui n'est pas manqué. Je ne suis pas au niveau de ces gens-là, loin de là. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. On va pouvoir passer au bleu. Ah, non, je vais encore travailler un tout petit peu son avant-bras là-bas. Je rajoute un poil de lumière là. Bon, en tout cas, c'est bien gentil à toi de nous partager ça, Nicolas. Bon bah ok, je suis assez satisfait dans l'ensemble pour l'instant. Bon, j'ai peut-être quelques retouches à faire. Ouais, je vais juste reprendre vite fait les creux là de ce truc-là.
Mais après, je préfère avancer sur le bleu parce que ça me permettra un petit peu plus d'avoir une vue un peu plus d'ensemble, quoi, un peu plus reculée sur le taf. Donc ce sera un peu plus intéressant. Donc voilà, déjà, bon, bah, on a fait notre première mission, peindre du noir. Vous voyez quand même, c'est très clair. Si je vous prends une figurine que j'ai peint, un truc que j'ai le droit de vous montrer. Je vais prendre une figurine, peut-être. Tiens, je vais prendre l'orque, comme ça je vais vous la mettre à côté. Voilà, donc là j'ai le bonhomme et là j'ai l'orque à côté. Vous voyez, une fois qu'on les met côte à côte, on voit bien que bah, ça paraît très très sombre pour l'alien, malgré le fait qu'on est quand même beaucoup éclairci. Ce qui est normal, hein, puisqu'à un moment, il faut mettre de la lumière quand même. Donc voilà notre première mission déjà qui est faite pour la peinture du noir. Et maintenant, on va passer à la deuxième lumière bleue, donc qui sera de l'autre côté, là, en opposition. Est-ce que déjà, vous avez des questions peut-être par rapport à ce premier passage? Il y a peut-être des choses qui vous sont pas claires. J'ai mis le lien sur Discord. Eh ben, tu feras des heureux, je pense. Merci à toi. Attendant, je vais utiliser mon bleu. Donc là, c'est le bleu Chimera que j'utilise un peu tout le temps. Donc je l'éclaircis un petit peu au départ, quand même. Ouais, je me crée un petit nuancier, comme on dit. Et on est parti pour l'autre côté. Bon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, même si je suis passé sur l'autre côté, il n'y a pas de problème, je peux revenir sur l'autre côté. Je suis multifonction, comme on dit. Ça va, on voit bien. Ça a l'air. Vous voyez, je prends carrément l'angle opposé. Donc des fois, on peut faire plus. Hein, on peut faire 2, 3 sources de lumière différentes. Bon, sur une figurine de cette taille-là, ça ferait un peu beaucoup quand même. Hein. Elle n'est pas non plus grande, grande. Comment tu choisis les couleurs que tu mets par-dessus? Tu utilises le cercle chromatique. Non, généralement le cercle chromatique, je m'en sers uniquement pour éclaircir une couleur en soi quand je suis un peu perdu. Mais non, c'est pas vraiment. Ça doit pas dicter le choix de couleur, puisque dans la vie de tous les jours, la nature, le cercle chromatique, elle s'en fout, hein. Donc du coup, bah, tu peux avoir tout ce que tu veux comme couleur. C'est pas franchement un problème. Après, ça dépend de ce que tu veux. Évidemment, si tu veux que ton mec il ait pas l'air d'un baladin, t'essaies de lui faire un truc assez stylé, mais c'est plus une question de mode, de design que de cercle chromatique. Le cercle chromatique, c'est plus, par exemple, tiens, je vais éclaircir du bleu, je vais lui donner un côté plus peps. Bon, bah là, je vais regarder mon cercle chromatique et je vais me dire, tiens, quelle couleur je peux ajouter dedans pour que ça ait l'air plus peps. C'est plutôt comme ça que je m'en sers, moi, personnellement. Et puis avec le temps, bon bah tu t'en sers plus trop parce que bon bah tu connais pas mal. T'as un peu plus l'habitude. De manière générale, la technique et la théorie ne doit jamais rien vous imposer en manière de peindre. Ça doit être un outil pour vous aider à faire ce que vous voulez, mais en aucun cas ne doit vous dicter ce que vous voulez faire. Ça, c'est très important. Parce que la technique pour la technique, c'est pas ça qui fait vibrer les gens. C'est plutôt justement les choix que vous allez faire, votre interprétation du bazar. C'est ça qui fait que ça rend sympa, quoi.
Le nombre d'or. Alors là, le nombre dans la couleur, je. Là, je. Ça dépasse mes compétences, hein. Moi, je suis pas mathématicien. Je ne connais pas ces trucs-là. Comment tu fais alors? Pourquoi bleu et pas marron, rouge ou autre? Ah bah là du bleu parce que je l'ai dit en début de vidéo, c'est parce que j'ai vu pas mal d'illustrations, j'ai été voir un petit peu, tu sais, pour voir un peu comment c'est un alien. Et en fait, souvent, sur ces illustrations-là, le fond il est bleu. Donc je trouvais que ça rendait bien, donc je me suis dit que j'allais mettre du bleu, tout simplement. C'est une espèce de. Je suis simplement ce qu'ont fait les mecs qui se sont cassés la tête à réfléchir. Et puis après, sur d'autres figurines, par exemple, là tu vois, je fais cet alien en bleu, machin. Puis peut-être un de ces quatre, tu vois, je referais une figurine, on va dire, de mon côté. Et je me souviendrai, je me dirais, tiens, quand j'avais peint l'alien, j'avais fait en bleu, c'était sympa. Bah tiens, je vais peut-être refaire la même chose. Ça aide de fou le chromatique quand même. J'ai peint des armées sans maintenant que j'utilise, je vois une différence de fou. Ah bah écoute, tant mieux, tant mieux. C'est vrai que c'est un très bon outil. Et en plus, il y en a pas mal de différents, hein, de cercles chromatiques. Bon, on utilise quasiment tous le même, mais je vous invite à chercher un petit peu, il y en a pas mal de différents. Donc, selon le sujet que vous traitez, il y en a certains qui sont un peu plus appropriés que d'autres. Le nombre d'or, ouais, c'est plutôt celui-là, effectivement, moi, le nombre d'or. Donc là, je vais rajouter un petit peu de noir à nouveau pour bosser sur les petites transitions à droite à gauche. Bon bah ma foi ça commence à être pas mal, hein. J'aime bien là ce petit bleu là un peu désaturé là, il est sympa. Il rend bien. Ok, on va passer à la petite deuxième étape. Ah, un petit peu sur son cul là, un petit peu là aussi. Voyez de face. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu bizarre parce qu'on a pas forcément éclairé de ce côté-là, mais voyez un petit peu l'idée quoi, c'est plutôt cool. Même de face, ça rend pas mal. Bon, évidemment, l'angle qu'on a choisi, du coup, il rend mieux, hein, mais. Et voilà un peu l'idée. Donc là, je vais éclaircir un peu mon truc. Donc je vais rajouter un petit peu de clair dans un premier temps. Et un petit peu plus bleu.
Moi, je me concentre un petit peu pour aller un petit peu plus vite. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc j'éclaircir encore un petit peu, forcément. Ah bah vous êtes très calme. Ça va être parce que Christophe il est plus là. Il doit être en train de réparer sa machine à imprimer peut-être. De toute façon, dès que Christophe est pas là, c'est calme. Ça, j'ai remarqué. Vous devez être en train de peindre peut-être. Alors, je vais essayer de faire les petits trucs là un par un. Ouais, ça va, c'est pas mal. Sapin grave. Oh, sapin quoi? Je peins des cultistes Black Fortress. Ah, Black Fortress, ouais, les figurines sont cool. Je suis en train d'en peindre là, alors petit à petit, mais j'aime beaucoup. Les figues sont vraiment sympas. J'avais déjà beaucoup aimé la première boîte de héros là que j'avais fait. La deuxième boîte, elle est vraiment top. Peut-être même encore un petit peu mieux que la première. C'est vraiment cool. Toujours de la bannière d'un battle. Ah. Oui, très joli et pas trop cher pour le coup. Ah, ouais, si j'avoue le prix, je le connais pas puisque c'est le client qui. Ce qui est assez cool, j'ai l'impression, chez Game, c'est que maintenant, il y en a un peu pour toutes les bourses. C'est-à-dire que, bon, bah, t'as toujours Warhammer qui demande quand même un certain investissement, mais à côté, t'as aussi des petits jeux qui demandent quand même moins de sous, donc. C'est assez sympa. Ça touche un public un peu plus varié. Et ça, c'est plutôt cool, hein. Concentré sur mes trois derniers, Splintered Fangs. Splintered Fangs. Alors les noms anglais, j'avoue, j'ai un peu du mal. Je retiens jamais. Je fais pas le lien.
Seul truc qui m'embête un petit peu avec Games, c'est le fait qu'ils ont tout transformé là, tous les noms et tout, ils ont tout mis en anglais. J'avoue, je suis pas fan. Ça me plaît pas trop. T'as des bouquins français, la moitié des noms, enfin les trois quarts des noms sont en anglais. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Ok, on va éclaircir encore notre bleu. Concentré, ah ça j'avais déjà lu. Donc vous êtes tous concentrés, bah tant mieux si vous êtes concentrés, ça veut dire que vous bossez dur. Moi aussi je suis concentré. Juste un petit peu de. Un petit peu de salive là. C'est du Warcry, les empoisonneurs. Ah, d'accord. Ah bah tu vois à quel point, pourtant je suis client, hein, Warcry, je suis censé connaître, mais tu vois à chaque fois moi les noms c'est... J'y arrive pas. Moi je suis con, centré, je suis pas sûr. Mais j'ai quand même ressorti les pinceaux. Bon, c'est déjà bien. Maintenant, faut les agiter frénétiquement sur une figurine. Bon bah voilà, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il reste les petits machins là, les sur le dos. Je vais les faire vite fait. Désolé, j'incline un petit peu la figue pour faire un petit peu le lining. Et on va faire une dernière petite lumière encore un peu plus sur le... sur la membrane, forcément. Et il n'y a plus qu'à lisser un peu cette membrane.
Ben voilà, c'est pas mal. Je suis assez content de mon alien. J'ai une bonne tête. Quelle heure est-il? Il est 21h40, donc ça fait 1 heure qu'on est dessus. Je vais pouvoir peut-être attaquer le socle hein, déjà. Déjà, on va essayer de faire ça. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas faux. On va faire ça. On va utiliser les mêmes peintures et puis on va faire du métal. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions par rapport à cette partie en bleu. Donc, vous voyez, il y a carrément des zones que j'ai même pas touchées, hein, qui sont restées vraiment très très sombres. Désolé, ça floute un peu parce que je suis très près, donc forcément, dès que je bouge un peu, ça floute un peu. Voilà. Bon, bah c'est parti. Je vais me remettre un peu différemment parce que j'ai un petit peu mal dans le cou, à force de me pencher, toujours dans la même direction. Et on est parti, on va faire le socle, let's go, on n'attend pas. Feu à volonté. Ah, je vais peut-être juste faire un petit peu l'intérieur de ces trucs-là, au moins un minimum. Oh ben des zones pas peintes sur tes figues, on a l'habitude, hein, surtout en concours. Ah non mais d'accord, allez ça y est, le mec qui revient, ça balance des dossiers. Il n'y a plus de respect quoi. Bravo, je vous félicite. C'est petit monsieur. C'est pas bien ce que vous faites. Ça nous rappelle les ombres, les heures les plus sombres de notre histoire. Escrow painting. Un studio d'avenir. Escrow painting. C'est toujours le même en plus. Ah bah ouais, carrément. Un homme qui n'a pas de respect. Je me décarcasse à essayer de te retrouver les Japonais qui fabriquent des aliens de ouf. Ah d'accord. Bah bonne chance, hein, parce que j'y ai passé du temps. Hein. Et pourtant... Mais c'est gentil en tout cas. Du coup, j'ai trouvé que des fabricants japonais. Ah ouais, peut-être des jouets genre Maxi Toys, tout ça, Art Toys et tout. Alors on a une super truc cool avec ce genre de figurines, c'est que vu c'est censé être une ambiance sombre et tout, et ben il y a plein de zones qu'on peut laisser vraiment bien noires. Donc du coup, ça va nous faire beaucoup moins de travail. Et ça, moi j'aime bien. Je suis plutôt client.
Non, de la statue d'Alien avec la tête transparente, un dixième à un troisième, mais c'est pas du fine made, c'est du pro et ça se vend. Ah, d'accord. Question, il y a des cicatrices sur les peaux de mes cultistes, comment on peut les faire ressortir? Bah juste en changeant de couleur, souvent on les fait dans des tons rouges, surtout sur de la peau pâle. Après, si tu as une peau foncée, tu les fais un petit peu plus clair que ta peau de base. Et ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Avec un couteau. Bravo, bravo, franchement. Bon, ok, je sors. Ah, par contre, ça me gonfle, il étale pas bien ce pinceau. Vu qu'il est tout petit sur les grandes surfaces, il est pas super efficace. Et puis là, c'est tout mouillé. Je pense que je vais faire ça en mode. Tout craquera de l'espace, ça sera beaucoup mieux. Puisqu'il y a des zones auxquelles je vais avoir du mal à accéder, donc je vais faire ça en mode texturé à la sbeul, ça sera bien sympa. Ok, je tente, mais de rien. Si je m'éloigne du truc, ça va pas le faire. Je tourne en ce moment avec du 5-0, c'est vraiment petit petit et toi? Bah là c'est du 2-0. Mais du 2-0 bien éclaté qui a bien vécu. Donc du coup. Il est un peu palmier, quoi. Mais en général, je tourne avec des très gros pinceaux, genre du 8404 taille 2 avec maxi réservoir. J'aime assez les gros réservoirs. Tu veux voir mon gros réservoir? LOL palmier. Ouais, c'est un peu ça. Moi je dis chou-fleur. Ah ouais, ça se fait aussi.
Depuis que j'ai vu bosser le boss, je fais 90% du taf avec des pinceaux 1 et 2. Et ouais, l'influence. Moi, c'est l'inverse, le monte progressivement en taille, mais ce n'est pas facile. Ah bah ouais, bah après, il n'y a pas d'obligation, hein. C'est si tu préfères des petits pinceaux. Il n'y a pas de raison d'utiliser autre chose, hein. Faut faire avec ce que t'aimes. Et un 2-0 pour les trous, tout petit détail. Ah, c'est vrai qu'après le gros, quand t'as des tout petits trucs à faire, des fois c'est quand même pas évident. Ça, je le comprends tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a le chat? Je cherche quand même l'intérêt du réservoir plus grand. Bah, l'intérêt, c'est que, comment dirais-je, ton réservoir il contient plus d'eau. Donc c'est beaucoup plus pratique pour gérer ta peinture. Parce que bah, grosso modo, il y a des fois tu as besoin d'avoir une peinture très très transparente. Et bah, tu pourras difficilement l'avoir sans diluer quand tu travailles avec un petit pinceau. Alors que quand tu travailles avec un pinceau, tu n'as plus besoin vraiment de te soucier de ce qui se passe dans ta palette. Tu peux directement travailler avec ça. Ça, c'est déjà une première raison. Fais gaffe, t'es parti pour la finir là. Pas tout à fait. Je laisserai un truc pour la vidéo d'après. Ouais, c'est vrai que ça va vite hein, quand c'est monochrome comme ça. Après, on pourrait passer un peu de temps à l'améliorer, taffer dessus, tout ça, je sais pas. On verra. Mais à la limite, c'est pas un mal non plus si je la termine ce soir, parce que bon, on passera sur quelque chose de plus ambitieux. Là, j'avais vraiment pas le temps de préparer quelque chose pour la soirée. Donc du coup ça m'arrangeait bien d'avoir cette figurine. Elle était monobloc, il n'y avait plus qu'à la sous-coucher. 0 ou 1 plus petit, c'est trop fragile, les pointes dézinguent trop vite. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ça dépend de la marque aussi. Hein. Tu sais, moi j'avais un Winsor & Newton vraiment très fin. Je peux te dire qu'il a encaissé celui-là. Il aurait pu franchement participer à des matchs de catch, il serait ressorti tranquille quoi. Je l'ai défoncé, mais il tenait toujours quoi. Alors, je suis obligé un petit peu de le retourner pour certains trucs.
Attendez, j'ai choisi cet angle-là. Ok. C'est plus par là. Est-ce que je commence à me tromper sur le centre de la lumière? C'est pas mal, un petit coup de noir là pour on me clean 2-3 trucs. J'ai un peu dépassé sur des trucs, moi c'est pas grave. Il y a dans le fond à faire, il y a le petit câble, le câble je sais pas trop en quelle couleur, hein. Peut-être en une espèce de câble marron, c'est sympa. Avec un peu de vert, j'ai un peu de vert là-bas, on va mélanger ça. Putain, vraiment toute sèche ma peinture. Hein. Je crois que je vais finir par devoir changer ma palette quand même au final. C'est pas mal. Prendre un petit peu de marron. Rose. Je vois que tu as suivi le. Alors, il y a du rose sur ma figurine. C'est juste que vous ne le voyez pas. Mais il y a bien du rose sur cette figurine. Je vais vous montrer ça juste après, si vous voulez. Ça fera plaisir aux aficionados du rose. Depuis peignant le même bonhomme, je trouve que le rose, ça va très bien aux orques. Voilà, il y a du rose. Hop. Pourrais pas me dire que j'en ai pas mis cette fois.
C'est un socle assez simple, hein, mais ça rend pas trop mal, je trouve. Il faut que je fasse le fond aussi. J'ai pas fait trop la cuve là au fond. Faut que je la peigne quand même un minimum. Donc allons-y gaiement. Voilà. Il y a les petits morceaux de métal aussi là, à droite à gauche, que je vais faire aussi. Donc je me sers du pinceau palmier dégueulasse pour que ça fasse un petit peu de texture aussi. Je me dis que c'est autant que ça serve un peu à quelque chose, hein. Puisque ces poils pourris vont provoquer le côté un peu aléatoire. Fasse un petit peu aussi la jambe intérieure là, je l'ai un petit peu laissé à l'abandon. Je vais leur prendre un poil de pinceau. Ça c'est de la blague, je suis en très grande forme. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Voilà, c'est pas mal. Alors dans le fond, je vais avoir un petit peu du mal à faire ça bien. Sans retourner la figue dans tous les sens, donc je vais me contenter de faire des trucs assez simples, des petites textures, des petits coups de machin, ça suffira largement. Là c'est pareil, j'ai un petit peu du mal à accéder, mais ça devra aller. Ok, c'est pas mal. Maintenant, il nous reste le métal de ce côté-là. Donc, en avant Guingamp, comme on dit. Oh, c'est pas assez clair, ça.
Ça, c'est beaucoup mieux. Lol, le pinceau qui meurt. Ouais, j'avoue. Il est en train de décéder. Ah, mais il aura bien servi, donc. Donc, ça va. Il pourra reposer en paix. Il aura fait le job. Ah bah voilà, on part 10 minutes pour coucher le gamin et la fille est presque finie. Bah ouais, non mais faut être plus rapide aussi. Oh là là. Non bah ça fait. Moi ça me fait plaisir aussi des fois de peindre des figues à la zbeul. En mode j'ai pas le temps. Ça fait assez plaisir. On se dit qu'on va pouvoir aller bah, jouer avec tout ça rapidement. Donc c'est toujours cool. À la one again beast to fly, on dit. Ah, pardon. Juste rassombrir un petit peu ce truc là un peu plus histoire que ça fasse un peu plus dark de ce côté. Voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça. Et ma foi, bah c'est la fin de ma batterie, hein, c'est la fin de ma batterie. Et puis on a quasiment terminé. Alors si je voulais continuer, ça serait un petit peu de peaufinage. Parce que c'est pas hyper propre. Il y a encore des petits trucs, surtout dans les transitions, elles sont un peu à l'arrache. Mais bon, on a une figurine avec une petite ambiance sympathique. Peut-être rajouter un poil de bleu là-dessus. Là, on va faire un petit lavis là. Voilà, histoire que ça fasse un peu plus lumière bleue. Voilà, ça sera un peu mieux comme ça. Donc, ben voilà. Alors évidemment, ce qui fait que c'est rapide, c'est que c'est quasiment du monochrome. Hein.
très très peu de couleurs dessus, c'est du métal, c'est du noir et tout ça. Mais du coup, bon, bah, j'espère que vous aurez appris un petit peu des trucs, notamment pour la peinture du noir, bon, un petit peu le nom métallique, vous avez vu aussi, même si j'ai pas donné d'explication, vous avez vu le truc en direct. Donc, bah, comme d'habitude, je vais vous prendre une petite photo si, des deux côtés, puisque vous allez voir aussi l'objectif de ce genre d'angle, c'est évidemment pour tout ce qui est photographie. Vu que bah, je travaille de plus en plus avec des entreprises, et ben c'est ce genre de truc qu'il faut savoir faire parce que bah, ils aiment beaucoup pour la com d'avoir des trucs avec des angles très marqués, des petites ambiances et tout. Ça se prête très bien à la photo et ça pose une ambiance pour le jeu, ça donne un petit peu plus de punch pour l'imagination, tout ça, c'est assez sympa. Et puis bah même en vrai, hein, après moi en termes de figurines même de jeu, je trouve ça assez cool. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier d'avoir une couleur machin. Normalement ça s'y prête moins parce que vous savez pas comment va être orientée votre figurine et tout, mais c'est quand même sympa. Je vais attendre un petit peu voir si vous avez des questions. Et puis bah après, ce sera les photos. Est-ce que tu peux nous mettre une photo avant-arrière de la version finale de l'orque sur Discord? Ouais, bien sûr. Bah, je ferai ça avec l'alien. Comme ça, je vous mettrai tout et je ferai tout en une fois. C'est pareil, on pourrait rajouter un petit peu de rouille dans le métal. J'aurais pu par exemple tracer, vous savez, des espèces de bandes de noir et jaune sur la petite bonbonne derrière là. Il y a des câbles que j'ai peints en noir et blanc. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, des petits détails qui sont aussi importants. Hein. D'ailleurs, on peut rajouter un petit peu de sang, un petit peu de bave sur l'alien. Ouais, il y a des petits trucs comme ça qu'on peut faire en plus. Qui vont pas demander beaucoup plus de temps, puis qui vont enfin je veux dire, ça va pas demander beaucoup beaucoup beaucoup, généralement c'est quoi, une demi-heure de petites touches, de petits trucs en plus. Donc voilà, surtout qu'en plus Alien c'est un truc où la technologie est un peu vieille et tout, donc on peut se faire plaisir avec des trucs rouillés dans de sales états, de la peinture qui saute et tout, il n'y a pas de problème, on peut y aller quoi. Bon, et bah si vous n'avez pas de questions, et bah moi je m'arrache la vache, hein, c'est parti pour la photo. Je vous fais plein de poutous, plein de bisous. Et alors je vous dis pas à lundi prochain parce que avec les fêtes, je pense qu'on a tous autre chose à faire que de consacrer un petit lundi soir de pintouille. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Et le rendez-vous suivant, du coup, c'est le lundi d'après. De toute façon, je vous mettrai un petit message hein, sur Discord. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez déjà commencer à regarder pour la prochaine figurine de peindre le même bonhomme, eh ben, allez sur Discord, hein, il y a une section qui est faite pour ça. Donc, que ce soit choisir la figurine, si vous voulez donner un coup de main à Christophe, et à ceux qui veulent évidemment imprimer, bah, c'est toujours sympa. Si vous avez la possibilité de le faire, ça permettra de répartir votre travail. Et puis bah, j'attends de pied ferme. Je vais créer un channel sur Discord pour que vous puissiez uniquement partager les photos de peindre le même bonhomme. Comme ça, elles seront toutes centralisées. Ça nous fera une petite galerie. Et puis du coup, eh ben je vous souhaite de très bonnes fêtes, de passer de très bonnes fêtes, un bon Noël, une bonne nouvelle année, tout ça. Amusez-vous bien, peignez bien, remets-toi bien Catherine, et eh bien écoutez, dans 2 semaines pour de nouvelles aventures.
Ciao.